Bonjour Dirty Ventoline. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'événement? Alors aujourd'hui, c'est le centenaire de notre ligue, le Paris Hockey Club. Et du coup, pour l'occasion, on va présenter notre nouvelle équipe de roller derby, qui s'appelle les Gueuses de Pigalle, avec deux équipes, les rouges et les noirs, qui vont s'affronter. Les meufs, les coups, la sueur, les cris, le fait d'être pas une meuf mais une derby girl pendant 2 heures ou 4 heures dans ta semaine. Le roller derby, ça a été créé à Chicago en 1935. C'était avant tout un sport professionnel et c'était mixte. Il y avait des hommes et des femmes. Il y avait un tas de choses interdites, mais qui étaient pratiquées quand l'arbitre avait le dos tourné. Donc c'était très brutal, mais mis en scène comme le catch. Et ça avait pris d'ailleurs à l'époque le nom de roller catch pour des raisons professionnelles.